J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est samedi et je vais me maquiller un peu pour ressembler à quelque chose. Je dormirai à 2h du matin parce que j'ai une boule dans la gorge, je sais pas c'est quoi. C'est pas mes ganglions, c'est vraiment une boule ici. J'avais déjà eu ça il y a 3 ans mais j'avais plus eu depuis. Parce que j'ai des nodules sur ma thyroïde. Mais ils étaient bénins donc j'espère que c'est encore le cas. Hein? Voilà. J'ai acheté une nouvelle éponge, c'est une EcoTools. Et elle est vraiment vraiment bien. Elle est aussi bien que les Real Techniques. Donc franchement, cool. C'est juste un make-up hyper simple, mais genre, c'est pour avoir bonne mine plutôt. On va dire ça comme ça. Alors là, je vais vite faire ma valise. Enfin, c'est plus un sac parce que c'est que 3 jours. Comme c'est un voyage là où il fait froid, genre c'est en Wallonie et il fait vraiment froid pour l'instant. Je vais prendre une veste assez chaude et des vêtements assez chauds. Attendez, je vais voir, je crois que j'ai une petite valise ici. Parfait. Je me suis habillée, j'ai mis mon petit pull préféré Collusion avec le même jeans qu'hier. Et mes petites Yeezy. On s'en fout, mais voilà. Je sais pas si je vais prendre mes chaussures de randonnée, parce que j'ai des chaussures de randonnée pour aller faire des balades. Alors premièrement, j'avais déjà préparé. Ici, c'est tout ce qui est déo et tout. Petit dentifrice, des trucs faciles, la pilule, enfin, des trucs de base. Et alors, j'ai pris un peu de make-up, juste ça. Super important, quand tu pars comme ça, c'est le canif où il y a tout dedans. Si on fait un pique-nique, ou je sais pas. Voilà. Et comme il fait froid, j'ai pris un pull de chez Uniqlo, c'est une sous-couche high-tech, I don't know, mais c'est bien chaud. Un petit pull Jeffree Star, des sous-vêtements. Je prends seulement un pantalon noir et un legging, genre j'ai assez pour 3 jours avec un pantalon et un legging. Pyjama, une pièce que j'aime trop quand il fait froid. J'en ai un pour ma cousine du coup, mais je sais pas s'il va rentrer dedans. Laissez-moi réfléchir, qu'est-ce que je dois prendre d'autre? Je vais aussi prendre un truc, j'ai un truc pour faire du feu, donc si on veut faire un feu dans la forêt, ça peut être sympatoche, donc je vais prendre ça. C'est trop pratique, à mon avis vous connaissez, hein, mais c'est en fait comme ça. Et tu dois faire juste comme ça. Hey! Donc, je vais prendre un petit rasoir comme ça. Ça m'énerve, les bonnets font toujours ça. Mais bon, c'est pas grave, anyway, je vais partir, je vais à Louvain, voir un peu, parce que j'en ai marre de rester chez moi après les examens et tout. Et du coup, j'ai mis mon petit imper Pretty Little Thing, mon sac All Synth. Regardez comme c'est mignon ça. Hi, alors je suis rentrée et je vous ai pas vraiment montré. Je vous ai vraiment chiffonné des câbles. J'ai pas sorti ma caméra quand je t'occupe à faire du shopping parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et du coup, avec le corona et tout. Bof bof. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté vite fait. Des pulls comme ça en baby blue à 5€ au lieu de 27 chez Emma, j'en ai pris 3. Un pour moi et un pour mes deux cousines. Comme ça, on a nos pyjamas sortis aussi. Nos pulls. Il est vraiment beau pour 5€. Attendez. Allez voir où Emma s'il est encore dispo. Mais trop trop beau. Ok, ensuite, j'ai reçu mon micro dans ma boîte aux lettres. Je l'ai déjà installé. Hi. J'ai pris le plus petit parce que j'ai envie d'avoir un petit. Parce que je vais bientôt m'acheter une nouvelle caméra de vlog où il y aura une entrée micro. Et du coup, comme l'autre fonctionne, ben, j'ai déjà mon micro pour ma prochaine caméra. Ensuite, j'ai acheté ça pour le voyage parce que j'en avais pas. Chez Weekday, j'ai fait l'affaire du siècle. Je vous dis déjà, j'ai acheté des articles trop trop beaux. J'en ai acheté que 3. Ils sont magnifiques. Genre ça, c'est un bonnet qui est incroyablement doux en baby blue. Littéralement la même couleur que le pull. Magnifique. Et ça, c'était 8€ encore, donc c'est déjà 8€ en solde, plus encore moins 20%. J'aime trop le baby blue, et alors il est hyper doux. C'était le dernier, donc je suis trop contente. Regardez, oh, il est tout doux. Un jean, slim, parfait. Il était déjà en solde à 15€, et j'ai encore eu 20%. Donc vraiment, vraiment pas cher. Et le prix de base, c'était 50€, et je l'ai eu pour environ 12€. Et il est incroyable, il est taille haute. C'est rendant les jambes et je suis trop fan, donc je suis trop contente. C'est une trop bonne affaire et en plus c'est la couleur pour le printemps qui arrive. Et encore une fois 12€ au lieu de 45€, il est magnifique. La qualité est incroyable comme d'habitude chez Weekday, comme ça. Et alors il est pastel, les manches sont hyper longues. Et vous avez une tirette qui est magnifique. Je
pourrais un peu vers le bas comme ça et ça fait trop stylé sur un pantalon. Ensuite j'ai acheté une éponge Jean Jacques parce que la mienne ça fait déjà longtemps que je l'ai déjà déballée et c'était genre 50 cents je pense, pas cher. J'ai pris un CD de Billie Eilish parce que j'aime beaucoup cet artiste et il était plus qu'à 8,99€ à la place de 17€. Et c'est les chansons que j'aime beaucoup donc nice. Je suis passée au S Aventure et j'ai pris un pull North Face, j'aime beaucoup cette marque et en plus de ça c'est hyper bien pour aller au ski, pour aller faire de la randonnée, pour les hivers rudes et pour mon projet qui arrive aussi. Et du coup je l'ai eu en solde à la place de 90€, j'ai payé 60€. Et c'est un noir basique polaire comme ça qui écrit North Face, il est trop beau au-dessus d'un legging comme ça, c'est trop pratique. Même quand je vais en Italie au ski chaque année, c'est facile parce que je mets ça avec un petit legging et je vais déjeuner le matin, je vais pas mettre toute ma combi de ski quoi. Je mets un peu de baume à lèvres, j'ai les lèvres sèches de dingue. Et j'ai pas tardé à partir parce que je dois aller faire les courses là où mon copain travaille. Comme ça je le vois en même temps. Et je vais dormir chez lui ce soir. J'ai acheté cette veste dans les soldes. Et c'est une veste 3 en 1, donc tu peux enlever cette couche-ci et ça devient une veste. Ou alors tu peux la laisser, ça fait une veste d'hiver. Elle est trop bien et je crois qu'au niveau 300, je l'ai eu à 120. Mais elle est juste trop doudou et c'est encore une fois pour le projet. Alors, coucou, je suis pas maquillée et tout, mais là je vais chercher mes cousines pour aller là où je vous ai dit. Je suis pas maquillée parce que j'ai un orgelet dans mon œil, j'adore, donc mon œil est gonflé et tout, enfin le top quoi. Et voilà, donc c'est parti pour ce petit voyage bien placé au bon moment parce que comment te dire que j'ai pas envie de me relaxer après les examens, j'ai toujours pas récupéré. Donc c'est plutôt cool quoi. J'espère qu'on aura assez de place dans ma mini voiture pour prendre tous les bagages, mais bon comme on reste pas longtemps, normalement on n'a pas pris énormément de choses, donc ça devrait aller. Et prudence, je compte sur vous. On a chonqué. On part moins loin que tu vas, maman. Oui. C'est la surprise, c'est moi qui conduis. Allez, je vous laisse partir à votre tête. Ça va, bisous, bisous. Ça sent le quoi? Ah bah il neige. Est-ce qu'on va y arriver là? Son appareil photo. Donc voilà, on est arrivé. On a comme ma tête. La yourte elle est trop bien. Trop bien échauffée et tout. Et là, on range juste les courses. Il y a deux paquets de magasins. Quand vous rentrez, on va par là par une magnifique porte. Très jolie. Puis après, là, on a mis toutes nos provisions. Mais c'est trop bien, il y a des jumelles et tout pour regarder les étoiles. Ça c'est un lit. Ça c'est un canapé lit, un jade. Et alors là, on a la cuisine. Ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des herbes aromatiques dehors pour faire du thé. Donc ça va être trop bien. Ce soir on fait un thé. Hein. Ah oui, on a le même pull aussi. Pour faire des photos, c'est trop cool. Ici t'as une douche. Et alors... j'adore ces petites théières comme ça. C'est trop bien. Ah ouais, il y a ça, regarde. Ah, oh, c'est trop bien. Waouh. Attends.
on a des petites lampes comme ça. Tiens, mes pieds brûlent. Alors aujourd'hui on est le lendemain matin et on va faire une marche et on va aussi aller à l'épicerie du coin chercher, des trucs à manger pour ce soir. Et hier comme vous avez vu on a été là-dedans, c'était trop stylé hein. Ouais, trop cool. C'était bien chaud et tout, mais tantôt on fera ça, on fera aussi le sauna quand on rentre oui. De notre balade. Ça va être plutôt sympatoche. Oh les béquilles. Quelqu'un m'aide. Il y a un cheval. Arrête. On voit les deux moutons et le cheval il est tout à gauche. Oh, c'est un âne aussi, non? Ah, c'est peut-être un âne. Il faut qu'on aille voir, moi je veux voir ça. Regardez ma pauvre petite voiture. Oh là là. Oh là là. Regardez, il arrive le cheval. Il est trop beau. Oh, faut lui acheter des carottes. Mais non, on achètera une carotte si on peut l'acheter en vrac. Oh, qu'est-ce que t'es beau. Regardez comme c'est beau, on a été dans un bois faire des photos, c'était super joli. On est plus solo à découvrir la neige. Ouais. Vraiment. Voilà, on arrive à Crupet. C'est trop mignon. Il y a un autre chemin. Ah ouais? Il est 2 minutes plus long et c'est que de la route, on peut prendre celui-là. Hein. Ouais. On vient de sortir d'une rivière, mais c'était trop chouette. Oh my god. On n'en peut plus. C'était que de la montée, les gars. Que de la montée. Maintenant, on va manger des pâtes. On est occupé à dégivrer la voiture, enfin enlever toute la neige quoi. Ça va, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, hein. Franchement, ta voiture. Elle a démarré vite, hein. Ouais. Attends, je vais mettre le chauffage parce que j'ai pas mis. Hein. Faut se méfier, hein. Bonne voiture. Attends, je mets le chauffage. Voilà, voilà, je te fais ça. Je veux. Tout n'est pas toujours beau. Je m'en garde bien ici. Ouais. Bah ça prend. Ouais, ça commence.
On a allumé le feu ici. Ah, ouf. Ok, c'est parti pour le sauna et le jacuzzi chauffé au bois. Hello les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on est mardi, je crois. Ouais, on est mardi. Et on va voir Dinan, la belle ville. Et ça va être plutôt cool. Mais regardez cette nuit comment il a fait froid. Ressenti moins 8. Il y a tout qui a gelé, quoi, sur la yourte. Heureusement, on avait laissé le chauffage allumé, donc ça allait encore les températures par rapport à la nuit passée où on avait gelé. Et voilà, je vous montre un peu le paysage aujourd'hui. Regardez comment il me regarde vlogger. Ça va les coucounis ? Et donc voilà, j'espère juste que le sol n'est pas gelé parce que sinon ça va être un peu compliqué de rouler. Mais ouais, c'est parti quoi pour l'aventure encore aujourd'hui. Jade, elle s'est fait mal au pied hier. Comment tu as appelé la partie de ton pied ? La peau névrose plantaire. La peau névrose plantaire. Parce que les deux cousines sont en médecine, du coup moi, tu vois, s'il m'arrive quelque chose pendant le voyage, je suis sauvée quoi. J'ai les deux cousines en médecine. Bon, allez, c'est parti. Voilà, on a été voir un peu Dinan. On n'est pas resté longtemps, on a juste acheté des trucs pour manger ce midi. Je ne vous ai pas filmé le reste du séjour, mais sachez qu'on a kiffé de ouf et qu'on s'est hyper relaxé et que c'est ça le plus important au final. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Xoxo les icônes.